Et bonjour à YouTube, la suite, voilà. Voyage sera désactivé. Mais c'est parti. On doit choisir. Oshu. La discrétion ou le bourrinage. Ouais, tu sais pas. L'armée de Kukulkan va suivre le sac B jusqu'au grand pont de pierre pour atteindre la pyramide. Si jamais on va au contact, on a toutes les chances de les intercepter. Mais ils pourraient très bien nous déborder. Si on passe par là, ce sera moins dangereux. Mais le timing devra être parfait, ou ils nous échapperont. On peut faire les deux. Si on va au contact, je peux les contourner et puis jouer les snipers. Ouais! Ouais, je veux un fusil de sniper. Ils seraient piégés. Toute approche comporte des risques, mais... je crois que c'est la meilleure option. Bien. Non mais t'es alors, un gamin, à ton âge. À vos ordres. T'as juste envie de tirer sur ton pénis, pas tirer avec une arme. Oh bah c'est James Bond, non pas du tout. Ton chemin va par là. Oh la manette vibre, incroyable. Lara. J'ai un porte-bonheur pour toi. Et qu'est-ce que c'est en avant, en arrière? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasse. Synchronisation labiale. Merci. Sois prudent, Jonah. Toi aussi, ma belle. Il a même pas essayé de lui rouler une galoche. Ça aurait été le moment awkward, vous savez. Concours de t-shirt. À la lumière de ma lune, c'est parti. Ah c'est... je suis plein. Hey, j'ai bien fait de prendre le... On a pris le caïman, rassurez-moi. En mode... En vrai, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Here we go. À l'aise. Bon, en vrai, la seule différence, c'est que elle fait un putain d'effort physique, alors que moi, je suis tranquillement le cul vissé sur ma chaise. Hein. Donc retenir mon souffle, c'est pas compliqué. C'est de l'or ou une texture dégueulasse? Incroyable. Jonah, j'ai réussi. Je vois le pont. Merde. Ils ont fait sauter le pont. On va trouver un autre passage. Ils ont surtout des putains d'hélicoptères. Tu vois la fumée rouge? Ouais. Je vais aller jeter un œil. Unuratu a dit que le feu cramoisi était sa destinée. Ok, essaie de faire vite. Commandant Alice Cardinal 2, le pont a été détruit. Bien, à tous les chefs d'équipe, prenez contact avec les véhicules. Cardinal 2, ils ont des putains d'hélicoptères et des chars. Une ouverture structurelle peut permettre à l'ennemi d'entrer. Une ouverture structurelle. Quoi? Mais non, mais je voulais sauter, moi. Bon, il y a peut-être des secrets partout, mais je crois qu'on s'en fout.
Ah, j'aurais dû sauter sur l'hélicoptère. Cardinal 8, visuel. On change de cap. Direction A05. À la base, il voulait pas sauver son peuple. Installez des zones de tir et empêchez l'ennemi d'approcher du temple par tous les moyens. Non. On progresse dans tous les secteurs et on perd beaucoup trop d'hommes. Oui, je me balance. À toutes les unités, n'approchez pas des murs. Tous ensemble, ouais! Ouais! La source de la fumée, je peux l'atteindre. Youpi! Ah oui, c'est vrai, on l'avait croisée, elle! Quand le feu cramoisi fume, cherche ton miroir. C'était la destinée de Noratu. Faites pas caca quand même au milieu de la pièce. Attendez, je me cache. Le feu cramoisi, c'est toi. Si elle me répond oui dans un français ou anglais, je parfait. Crois qu'on est censé travailler ensemble pour vaincre Kukulkan. Non, mais elle a des Walkman, elle t'entend pas. Parfait. Michel ? Bon, elle a bien changé quand même, la princesse Leia. Merci pour nous montrer comment te suivre demain. On peut mettre des utilisateurs favoris. Bonsoir à toi, Claude. Qu'est-ce que quoi ? Incroyable, mon modérateur est encore là, il s'est pas endormi. Incroyable ! Mais ils ont bien évolué les Gremlins, hein. Ils auraient peut-être pas dû manger effectivement après minuit. Vénérez-moi, baisez-moi les pieds, allez me chercher un sandwich. Allez me chercher une échelle. Regardez, c'est ce qu'ils disent. Molto Melaka! Ah, pas tout à fait. Merci, hein. Ouais, ouais. Alors, c'est à ça que ça ressemble. On est prêt. Je me recache. On est acide avec les autres personnes à la joue. Molto Melaka! Ou alors c'est... Vous savez que les... Alors c'était quoi ? Dans Le Seigneur des Anneaux, les... machins, c'est les elfes qui ont mal tourné. Attendez, c'est quel... Les elfes, quand ils tournent mal, ils deviennent une autre espèce et c'est un peu près ça. Bah là, est-ce que ça serait pas les nains ? Ces gobelins ? Ce ne vient pas les gobelins, les elfes. Ça, c'est pas les Urukai ou je sais plus trop quoi, là ? Jonah, j'ai des renforts. Les Yashil, ils sont avec moi. Ouais, mais c'était pas trop cher. Moi aussi. Goblin, d'accord. Non, on a trop de ça. C'est l'elfe gagne un niveau. Allez, tiens, pas les elfes. Merci à toi pour le follow. Claude, 254. Là, j'ai mis les numéros. Je suis désolé si ça a lag sur le stream, hein, c'est des effets de feu. Est-ce que vous croyez que je peux en dessouder un, hein, au passage? Non. Le grand Nawak. Merde,
Les Yokai sont des orques créés par ça. Oui, mais je vais trouver le mec en train. Regardez plutôt le planning. Il y aura peut-être pas de jeu qui t'intéresse. Oula, j'ai l'impression que ça l'habille bien, hein, ce chez vous. Ici le commandant. Ils sont de putain de charme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ça? Ouais, on va régler son compte ami Carework. Hein. Youhou! Cardinal 3 en approche. Ah, tirez sur lui plutôt. Voilà, nickel, merci. Au moins ça me libère le passage. Voilà, parfait, nickel. Là, vous êtes meilleur finalement homme de ménage que homme de main. Félicitations à vous. Essayez le bout de la queue, vous allez voir, c'est rigolo. Ça fait plus de bougies que de... Ça fait plus de jus que de viande, mais allez voir, bah, les hélices, c'est rigolo. Telle une petite gazelle, elle se balade au milieu. Et on peut tourner. Là, je peux pas courir. Bien sûr, ça me paraît évident. Tout va bien. Jonah, on a réussi. On a dégagé le chemin du temple. Nous aussi, on a réussi. On met ça dans le planning, ça enlève les trucs. Il est dans le temple. Oui, oui. En fait, il faut que je change les couleurs sur le planning pour que ça soit plus visible. Mais ça, je suis d'accord. Tout à fait. Merci, Kukulkan, pour ce don de renaissance. Nous nous tenons prêts à recevoir ton pouvoir. Et si tu pouvais faire vite parce que j'ai des invités. Ils t'obéissent? Moi seul pourrais compléter le rituel. Ils ont mal choisi. Tout est faux. Non. Elle est à eux depuis toujours. Donnez la boîte. Non, non, jamais. Je dois protéger Paititi. Nous créons tous notre destin. Oh putain, l'autre à côté, il a l'air de passer un mauvais trip. Tous, ensemble. Ah, le soleil, rendez-vous avec ma lune. Bien sûr. Jusqu'au bout. Au fait, vous avez des... Voilà, vous avez des armes automatiques, bande de blancs. Maintenant, il faudrait apprendre à s'en servir et à viser. Ici le commandant Rook, à toutes les unités restantes. Le petit fusil à pompe. Ouais, j'allais dire, ouais, merci de t'en occuper. Changement de corps. Vas-y, tu peux le faire, Ah là, bravo. C'est toi ou c'est moi? Je sais pas. Mais... Ah, merci. Je peux vous loot maintenant. Merci. Oh, regardez, encore des loot ici. Formidable, on va rester ici 5 minutes et on va looter. Merci. Merci. Ah, ils ont de l'argent. Ah, ouais, ils sont gentils. Oh bah, au hasard. Merci. Dominguez n'est plus là. Mais il était bien. Grosse précision. Voilà, de rien. Je veux dire, il me tire à ceci. Ah, j'ai fait un headshot, mais il avait placé. Voilà, deuxième headshot. Il y a un petit problème. Oh, bah oui. Vas-y, reste voir. Comment il arrive à pas tirer sur son pote? Voilà, belle échange. Tout va bien.
un finish sur le mec en mode « Je suis badass !» Ok, ok. Tu peux rien contre nous, Croft. On est tous là. Domingas n'est plus là. Mais il était bien trop sentimental. Bientôt, les Trinitaires... Retourne ça. Ah non, j'allais dire, est-ce que tu pouvais retourner en position? Mais non, visiblement non. Vous croyez que... Je peux pas passer. Mais si tu peux passer. Putain la mort. Ah ouais, je vais pouvoir looter, merci. Merci, j'avais besoin de loot. Je loot. Non, pas eux. Lui. Lui, il devait avoir des loots, non? Pas du tout. Hein? Faut que je fasse gaffe hein, sur les munitions d'automatique. Ah, c'est vrai qu'on a le petit gun, hein. Plus de plaisir. Ah, voilà. C'est pas par là le passage. Bon bah ok. Je peux avoir mon char d'assaut. C'est à moi. Bordel. C'est pas par là. Ah c'était de l'autre côté. Bon appétit hein. Attention, pensez à bien vous brosser les dents après. Oui, je suis mort juste avant le cinématique. Mais comme un glandu, j'avais pas compris que c'était un juste. J'avais même. Petite pause café. Après tout, c'est que la guerre, hein. On a tout le temps pour faire un petit tour dans ses compétences. Bon, j'ai qu'un point, je vais pas... est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer? Non, non, non. Et puis je crois qu'on s'en bat les couilles. Ouais, je crois qu'on me dit dans l'oreillette qu'on s'en bat les couilles. Ok, on accélère. C'est bien, hein. C'est-à-dire que s'il y a un feu de camp là, on pourra se re-téléporter ici à tout moment. Bonjour madame. C'est en haut ou en bas? C'est en haut. Oh. Ici l'équipe Zeta. Le conseil se fait envahir. Il nous faut. Merde. Et un point, Godouille. Non, c'est pas... Non. Il vient de se passer quoi là? Oui la cam, oui je sais. Il vient de se passer quoi là? Mais quel gros niasse! Mais mon dieu, mais quel gros niasse! Plateforme sur 20. Oui. Non mais c'est comme si vous n'aviez pas compris que l'équipe Zeta avait quelques petits soucis. Et parce que ce cri de mort est tellement... Vous vous rendez compte qu'en fait j'avais juste à passer, j'avais pas à sauter. Et le fait que je saute a fait qu'elle meurt. En fait j'avais juste à avancer. Voilà. Ah oui, c'est vrai que voilà, on n'oublie pas qu'on est Spider-Man. Et on n'oublie pas qu'avec Télémindu, on en a plein les fruits. Ah oui! Vork est mort? Non, non. Qu'est-ce qui commande? Bon, à ce niveau-là, je crois barre-toi en fait. Hein. Ça a peu d'importance. Ouais, je suis censé aller où? Ah oui, d'accord.
Oh oui, un coup naturel. Impeccable, c'est exactement là où je voulais aller. Tout va bien. Au fait, c'est l'apocalypse, hein. Même si ça dérange quelqu'un. Et pourquoi le jeu est ralenti? J'ai l'impression que le jeu se met... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais le jeu ralentit, pourquoi? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? En haut, en bas, à gauche, à droite. Là, j'ai besoin de sauter. D'accord, il y a la même distance que là-bas, mais... Ok. Ah, regardez, ça va s'effriter ici. Ouh, à Greg Roux, je l'ai pas vu. On est bien, ça s'effrite. Ah, voilà. Mais bordel de merde, mais qu'est-ce qu'il y a... Oh, j'aime bien, est-ce qu'on peut sauter pour éviter ce trigger de merde? Regardez, là, hop, elle peut passer. Mais là, faut qu'elle saute. Logique, hein. C'est... Mais oui, les plateformes, une grosse sœur d'amour. Oh oui. C'est... Mais putain, j'ai fait la même chose tout à l'heure. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas qu'avec Lara Croft, la physique a pris des vacances. C'est-à-dire que vous allez en sandalette avec deux piolets et vous pouvez gravir une montagne. Bien sûr. Voilà. Logique. Je vous rappelle qu'elle s'est fait tirer dessus et qu'elle avait une belle s'éteigne. Et que l'obscurité efface le monde connu. Vous croyez qu'on peut arriver par derrière et le savater avec un coup de couteau? Que l'ombre passe. Et que la lumière rejaillisse sur un monde créé par nous. Je vous rappelle bien sûr que le nom du jeu, c'est Shadow of the Tomb Raider. Hein. L'ombre, la lumière, le soleil, Shadow. Le pouvoir de Kukulkan. Et là, on a envie de dire, ça va être tout noir. Oh oui, super! En mode furtif. Anéantis ceux qui veulent détruire ton pouvoir et son étendue. Ah non, merde, j'avais pas vu qu'il y avait des sbires. Kukulkan. Ouais, il est... C'est un mec cool, hein, Kukulkan. Guide-nous! Aide-nous à recréer le monde! Donne-nous la force et la sagesse! Je peux plus rien prendre. Par contre, Nojoke, s'il y a que toi là-bas. Bam! Et c'est un headshot automatique. Oh! Voilà, ça bouge. Et que la lumière rejaillisse sur un monde créé par nous. Qui ça? Qui ça ou ça quoi ça? Bon, tant pis, on va viser le corps. Il est où? Oh, mais on a joué à cache-cache et j'ai gagné. Merci à lui. Oh, il y a de la boue. Génial. Je suis un ninja. Ces icônes. Il faut que je libère l'énergie qu'elle contient. Kukulkan, protège-nous.
D'accord, mais... Ah, d'accord. Aide-nous à recréer le monde. Donne-nous la force et la sagesse. Alors, est-ce qu'il faut que je passe par-dessus ? Non, les hélicos, on s'en branle. Je suis censé faire un truc avec ça ou... Ah, d'accord, ouais. Caché. Vous savez quoi, je crois que je vais déclencher les enfers. En mode, on s'en bat les couilles, on les active tous en même temps. On les groupe tous, balance une bleue et c'est ok. Vous inquiétez pas, ils m'ont perdu. Ils savent pas où je suis. Je suis une fougère. Ah bah non. Alors pas fougère alors. Première fois que je me soigne. Bravo à moi. Ils m'ont perdu, ils savent toujours où je suis. Ah, ils savent toujours où je suis. Bon, bah ok. S'ils veulent négocier, on va négocier. Bonjour, négociation. Perdu là. Ah là il est perdu. Là il est confus. Là il est confus, il sait pas. Il est perdu. Il sait pas. Voilà, il savait plus. Il savait plus où il était, ce qu'il faisait, pourquoi, comment. Mais merde, pourquoi je suis sorti de ma cachette à ce moment-là? Oh, attendez, on va le finir alors. Oui, c'est bon, merci. Hop, on loot, on loot. Comment ça, je joue comme un sac? Oui. Et je vois pas ce qu'il y a de nouveau en fait. Que l'ombre passe et que la lumière. Merci d'avoir attendu en fait. Rien ne m'empêchera. Mais ils étaient passés le dernier. De recréer voilà. Le monde. Aujourd'hui, nous prenons le contrôle de notre destin. Tu n'as pas du tout la voix qui va avec cet instant dramatique norvégien. Oula, ça a l'air douloureux. Non, 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 avec toi, on va y aller. Le bordel. Quelle arrogance. Oula. Incroyable. Il se soigne dans le jeu vidéo. Parce que lui, ça va être problématique. Coucou le Canos, t'es où? Bichon, attendez, attendez, ah il m'a perdu. Je peux passer en mode ninja, il m'a perdu. Il sait pas où je suis, il est confus. Il est confus. On va le s'arrêter. Il est confus, je vous ai dit, il est confus. On va le s'arrêter. Non, il s'est sérieusement mis au bord. Quelle arrogance. Il m'a repéré? Monsieur, vous êtes bugué.
Ça je le reconnais, ça. Ça, je crois que je connais, je maîtrise. Ça s'appelle du bug. Ah bah merci. Bravo le jeu, hein. Ok. Fin des négociations. Tirerait sur un coup. Ah, faut que je fasse quoi quand c'est comme ça? Non, je peux pas mettre la ligne d'option. Je pense que je peux pas m'avancer non plus. Ah si! Attends, faut que ça mate au cac. Tu ne peux rien contre un dieu! Mais j'ai récupéré la dague de lumière. Je t'ai laissé vivre, trop. C'est fini. Mais il a spawn d'où, lui? Depuis quand? This is Sparta! C'est ça. Bordel! Mais c'est quoi ce trigger de pourri? Ok. J'ai compris, la technique du bidon avait l'air de bien marcher. C'est tout bidon, mais ça marche. Il est où? Vas-y, avance encore un peu. Encore un peu, parfait. Ah non, mais sur un con, par contre, parfaitement. Oh, tiens, il y a un bidon. Technique du bidon d'essence marche plutôt bien. Enfin, bidon d'essence, bidon de kérosène. C'est moi qui dois protéger Palkitty, pas toi. Oui, alors toi. Ah mais il abandonne pas. Hyper sévère. Je suis en train de chercher s'il n'y a pas d'autres bidons. Ah, merci. Formidable. Viens par ici. Ah bah voilà. Vous ici. Mais allez vous faire enculer. Oh non, me dites pas que ça recommence tout depuis le début. Oh, ça recommence tout depuis le début. Contre un dieu. C'est le petit méchis grâce à ça. Non mais regardez, et là. Je t'ai laissé hop, vivre. On fait spawn un pote. C'est fini. Alors pas ce coup-ci, tiens. Non mais j'ai compris hein. Alors attendez, on va prendre le petit gun pour histoire de l'humilier. T'es où, copain? Voilà, viens par là. Encore, avance encore un peu. S'il te plaît. Aïe. Ouais, bon toi on s'occupera de toi après. Bon bah ok, mais on va s'occuper de toi maintenant. What? Voilà, merci. Ah, ça a pas touché aussi. Ah là, il veut nous prendre au cac. Il veut nous prendre au cac et au colac. Aïe. C'est douloureux, mais ça va être un peu plus pour toi. Voilà. Recharger maintenant s'il te plaît, voilà, parce que généralement on a tout le temps de rechercher batterie là. J'ai raté ma discrétion. Blagounette. Aïe. Oui alors là je me gêne pas hein. Merci. T'inquiète pas, tu la régènes. Et coucou. C'est okay, moi qui dois protéger Palkitty, pas toi. Mais qu'est-ce qu'est glande? Qu'est-ce qu'est... Putain,
poursuit, hein. En fait... Aïe. Sale enfoiré. C'est l'hélico. Il est où maintenant? Il est là, ok. Et les deux autres? Là, ok. Aïe. Ah non, là c'est la mort, voilà. Ok. Ok, faut que je me soigne. Ok, on va jouer le petit beat. Voilà. La taille de mon pénis a grandement réduit, mais j'ai compris. Ah oui, c'est vrai que c'est l'attaque, d'accord. L'attaque de mon pénis a diminué. Vous croyez plus intelligent. Par contre, j'ai l'impression que je peux... Ça vous êtes la bague de sbire. Toute ma vie. Tu ne peux rien contre un dieu. C'est vrai. Oh, je suis mort deux je fois, t'ai laissé grand, vivre quoi. Trop. Non, mais c'est comme ça dans les jeux, je refuse de me soigner. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ah, mais il va s'avancer au bout d'un moment. Oh, il l'a détruit, salaud. Aïe. Oh, les pommes de... Voilà. Toute ma vie. Oui, tu oui, peux... toute ta vie. Rien contre un dieu. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, ok, ouais. Bon, trois phases comme tous les boss. C'est Mario. C'est fini. Mario qui est comme Zelda, comme lui. Eh, mais non, mais j'ai voulu esquiver, mon de sac à merde. Bon, on va s'occuper des sbires. Où qu'il est? Coucou le canne. T'es où? On s'est perdu de vue. Copain? Ah. Ça va reset. C'est-à-dire le fait de le tuer, ça despawn les autres et on fait spawn d'autres à la place, j'ai l'impression. Bon, maintenant c'est là où c'est pas qui mourir. Protéger, voilà. Kitty. Pas toi. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'il nous met au cac alors qu'on s'en branle. Et que je voudrais bien m'occuper de ces deux connards. Voilà. Là, on va se guérir. Tel un lâche. Voilà, bien au cac. Voilà, merci. Comme ça, on est peinard maintenant. Il reste plus qu'à trouver Jean-Michel. Ah, il est là. Ah oui, il est là. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ah, par contre, ça, ça l'est un peu plus. Ah non! Par contre, ça non! Non, non, non! Non, non, ça non! Ça, on veut pas, ouais! Ça, c'est bon, j'ai connu! Ah ouais? Ok, bon. Et là, on est d'accord que c'est ok! Trois coups, on n'a pas réglé! C'est bon, pratique, la ligne! Oh, tu peux attaquer! Les coups de calme le rendra plus fort! Il reste sur un dieu. Hop là. Je crois qu'il a pas trop aimé. Hein. Depuis quand tu te TP, connard? Non, ça c'est pas cool ça par contre. Arrête de sauter, Lara. Oula.
Oh, t'as plus de pouvoir. Oh, c'est con ça. Il est à court de pile. Encore. Ouais, merci quand même. Oula, ça je la sens moyen, ouais. Ça, comment il touche, cet enfoiré. J'en ai marre de sa phase. Oh, mais on est d'accord. Cette phase-là, que je sais pas comment esquiver, là. Son truc moisi. TP. Et attaque au cac. Mais, regardez, ici, il y a un vieux bug, je peux pas passer entre ces deux trucs. Bon, allez. C'est quoi un scandaleux, hein, c'est dire. Oh, putain, mais. Tu me casses les noix. Hein? Non, mais lui. Oh, ça m'énerve. Ne vous inquiétez pas, on va se concentrer, on va y arriver, comme d'habitude. Voilà, toi au moins, t'es mort. Allez. Coucou, ça va toi? S'amuse hein. Regardez, j'ai beau faire des roulades, l'esquiver, il me cassera perpétuellement les roues. Ok, donc là c'est la feinte. Mais c'est pas croyable, mais j'en ai rien à... Oui, on tourne ça. Ah, c'est un buzz, oui. Regardez. Je la déteste tellement. Non. Oubliez-moi. Ok, il a dû dessouder son pote. On va essayer de ce côté de l'arbre. Et il s'est fait derrière. Salaud. Non, c'est pas bon d'être derrière les murs là. Non, tu m'auras pas.
Je vais au centre, moi. Rien à péter. Oh, putain de merde. Voilà, merci. C'était douloureux. Je suis désolé. Mais putain, mais t'es pas désolé, tu t'en bats les couilles. Il nous a tellement cassé. Mais ouvre-le en deux, du scrotum à la glotte. Si vous savez pas ce que c'est le scrotum, tapez scrotum sur Google. Il faut pas qu'il y ait, quelqu'un derrière vous. Cet orgasme. Ah bah écoutez, hein, le pouvoir d'un dieu. Dans sa mini mouchoir de poche. Pour prendre son trésor, l'aventurière Lara Croft doit vaincre le roi. Vaincre le roi? Je ne suis pas sûr que le roi soit d'accord. Mes amours. Essayez le septième ciel, c'est vrai. Oui, ma reine blanche. Est-ce que je peux voir? Bien sûr. C'est toi, là c'est moi, là c'est ton père. On est où? Hawaï. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire. Sans faiblesse, ni cruauté. Si tu avais ce pouvoir, tu ferais quoi? Ma courageuse fille, qui ne verra jamais venir une attaque de jaguar. Non, par contre, la peur du jaguar, je sais ce que c'est, tu vas aimer, maman. C'est un hallucinogène, c'est génial. Où on pourrait aller ensuite pour notre grande aventure? Il paraît que l'Antarctique est magnifique à cette saison. Papa! Oh non? Alors, peut-être le désert de sel en Utah. Richard! Je sais où on va aller. Ah oui? Hawaï! J'allais dire Disneyland. Disneyland! Mickey et Dingo, c'est des gros connards. À coup de fusil à pompe, ça ira bien. Au revoir, papa. Imagine, mais quelle horrible gamine! J'exige que tu m'emmènes au musée! J'exige être cultivée! Voilà, Lara a décidé de recréer les tours du World Trade Center. Il ne s'est rien passé, tout va bien. Tu peux lui en demander. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Et si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera. En me rappelant ma promesse. Ah putain, il doit nous sacrifier. Ah, c'est malo. J'aime bien ce monde, c'est... Il est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Lol. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, plus, alors mais c'est toi qui chasses l'ombre. Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Messieurs, arrêtez de demander votre art. Elle ne joue pas réellement. Putain, mais vous pensez qu'à ça, hein? Vraiment. Bande de pervers.
2 jours d'orgasme plus tard. Sans Jonah, hein. Vous avez noté que quand même, je pense à la bière aussi. Vous notez quand même qu'elle a joué plusieurs fois et Jonah n'était pas du tout dans la scène. Vous comprenez pourquoi il est friendzone. Unuratu. Ma mère. Une guerrière. Une rebelle. Une reine. Les générations futures la vénéreront. Tu me mens. Et son esprit nous guidera pour unifier Paititi. Ouais, enfin, j'ai quand même fait le boulot à sa place. Hein ? Il pourrait me vénérer un petit peu, moi aussi. Et me faire des prix chez les marchands. Merci. Je vais retourner à Kuwakiaku demain. Ah oui ? La jungle te manque ? Tu veux trouver ce fameux arbre à poisson ? Je vais passer quelques jours sur la côte avec Abby. Sandek ! Je suis contente. Et toi alors ? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Et restaurer d'autres artefacts. Ah non, mais il y a que des mecs en string. Hein. Attention. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas. Mais Edsley va m'aider à trouver. Il me dira ce que Paititi voudrait reconstruire. Waouh. J'en ai marre de chercher. J'ai envie de profiter des vivants. Ok. T'as pas des bagages à faire, toi ? Non, t'es coincé avec moi jusqu'à demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lara. Bon voyage, Jonah. Quand Paititi sera rétabli, je te rejoindrai peut-être. Pour en apprendre plus sur le monde extérieur. Quand tu veux, suffit de me prévenir. Toi aussi, Ushu. S'il en a envie. Alors, Jonah, Lara me dit que tu as une amie. Nous viendrons à ton mariage. Wow. Mais à quel moment ils en ont parlé ? Edsley, essaies-tu de me montrer les plans du nouveau temple ? Oui, ce sera magnifique. C'est vrai, je veux profiter des vivants. Au fait, tu ne devais pas partir ? T'as pas des bagages à faire pour te barrer ? C'est vrai. Enchaînement de dialogue. Mais ce qui est bien, c'est que ça résume un petit peu tout le jeu. Ça n'a aucun putain de sens. Autant les Tomb Raider avaient toujours ce côté un peu mystique, un peu machin. Mais alors là, ça n'a aucun putain de sens dans ce qu'ils veulent réel. Qu'il y ait une cité Maya jamais trouvée, qu'il y ait des tombeaux, de machin, que ça soit un dieu. Ok, c'est du mystique. Mais alors que... Les gardes, ils sont 4. On en dessous d'un. Et les 3 autres, ils sont... Au fait, t'as des cacahuètes ? Non mais putain ! Vous êtes à... Non, en fait, bah, c'est l'IA. L'intelligence artificielle est juste... Je vais pas dire qu'elle est pas bonne, on s'en fout. Non, elle est presque inexistante. C'est... Foutez un script à la place, ça sera plus facile, quoi. Donc ça casse l'immersion. Alors... comme d'habitude, hein, fin du jeu, tout ça, ce que j'en ai pensé, pourquoi, où, comment. Je vais peut-être baisser un petit peu le son du jeu, je sais pas si... On va faire ça comme ça. Alors là, je sais, le son est totalement baissé, mais là, on va revenir. Bon, au niveau des graphismes, j'ai rien à dire. Attention, là, le jeu était relativement moche parce que j'ai volontairement et énormément réduit la qualité pour pouvoir le streamer. Mon PC n'est pas non plus un monstre de puissance, j'ai pas un autre PC pour streamer, etc. Donc j'ai réduit de façon à trouver un compromis pas trop dégueulasse, streamable, regardable. Voilà. Mais en soi, le jeu est très beau, je suis sûr que voilà, vous augmentez les graphismes, vous streamez pas, et de ce côté-là, il n'y a rien à lui dire. Peut-être, comme d'habitude, un problème d'optimisation. Bon, alors, les bugs, les glitchs et les machins, bon... J'ai l'impression que c'est une tradition chez les jeux AAA maintenant. Donc ça, on en a croisé quand même quelques-uns. C'est pas grave, à la rigueur, ça dérange pas. Les musiques, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Les bruitages... En fait, c'est pas sur les bruitages, c'est sur les doublages.
Très bonne idée de mettre le mode immersif, à savoir, donc, comme je disais, vous pouvez avoir les dialogues et les gens parlent pas en anglais, mais ils vont parler en espagnol, en ce que vous voulez, dans la langue du coin. Par contre, le fait que Lara échange avec eux en anglais, ça me dérange. Lara est une explorateuse, bien sûr, Lara l'explorateuse. Je vais pas dire qu'elle est polyglotte, mais justement, elle déchiffre des langages morts, elle trouve une ancienne civilisation qui parle ce langage, et ben elle devrait être capable de baragouiner et ne serait-ce que comprendre. Et ça rajouterait à l'immersion. Mais là, le fait qu'ils parlent dans leur langue et qu'elles répondent dans un anglais formidable et qu'ils arrivent à se comprendre sans problème, moi je trouve que ça a complètement justement cassé le côté immersif. Ils auraient dû faire l'effort, bah ouais, d'avoir les sous-titres, puisque quoi qu'il arrive, si tu actives le mode immersif, tu es obligé d'activer les sous-titres pour pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Donc si tu as activé les sous-titres, bah pourquoi Lara parlerait pas la même langue? Et ça rajouterait de l'immersion. Là, ça fait juste que la casser et rendre certaines scènes totalement ridicules. Ensuite, ils ont rajouté trop de merdier, mais vraiment trop. Là, il y a beaucoup trop de choses à collecter partout dans tous les sens. Ça casse le rythme, mais beaucoup trop. Ils ont voulu en mettre trop. Après, attention, hein, ce n'est que mon avis personnel. Ils ont voulu en faire trop, en mettre trop, et ça rend le jeu chiant. D'ailleurs, sur la fin, bah, je ne vais pas dire que j'ai rushé, mais finalement, j'ai fait que l'histoire principale parce que... ouais, ça suffit, la collectionnite aiguë. Au bout d'un moment, trouver la cuillère qui a appartenu à la petite sœur de Jean-Yves Montand, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles au bout d'un moment? C'est un jeu vidéo, si on a envie de faire de l'histoire, Donc trop, un petit peu trop. Je vais revenir vite fait sur le doublage. Le doublage est trop lent. C'est-à-dire que la personne parle comme ça et que l'autre personne lui répond comme ça. Trop lent. C'est parler plus vite. Alors oui, c'est un jeu vidéo machin. Qui est un délai entre deux personnes qui se discutent, ça peut se comprendre techniquement, c'est un peu compliqué à caler, etc. Mais que dans une phrase préenregistrée, elle parle un peu lentement comme ça, c'était chiant, c'est chiant. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être au niveau doublage et ambiance, c'est le moins bien réussi de la refonte des trois premiers épisodes. Passer les 10 premières heures de jeu, Le charme est rompu et je vais pas dire qu'on s'emmerde, mais presque. Ils ont mis beaucoup plus de phases de plateforme, beaucoup moins de phases de gunfight. Ça, par contre, c'est un bon point à mettre à leur crédit. En même temps, je pense qu'avec une intelligence artificielle aux fraises, bah, tu mets moins de gunfight. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'exploration de plateforme, même si la plateforme, c'est mon cauchemar. Mais clairement... Acheter les deux premiers, ils sont pas chers, fais pas le troisième. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'intéressant, le scénario est pourrave. Non, en fait, s'il fallait lui donner une note ou un truc comme ça, je dirais, faites les deux autres. C'est ça sa note. Ce jeu, je vais pas dire, ne mérite pas d'exister, mais il n'apporte rien de nouveau. L'histoire est nulle à chier. Faites les deux autres sont mieux. Voilà, et ça vous coûtera moins cher. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait graphisme, gameplay n'a pas changé, donc machin. Les armes, les crayons, les stylos, on s'en fout. Les skills, les trucs, l'expérience, bah on s'en fout un peu. Il y a trop de trucs à looter, on s'en fout un peu. Donc au final, tout le jeu se résume à, bah finalement, on s'en fout un peu. Donc, c'est pas un jeu marquant, et un jeu pas marquant, bah on passe à autre chose. Et c'est pour ça que YouTube, bien sûr, on se retrouvera pour d'autres jeux très bientôt. Au revoir YouTube, des bisous YouTube. Non, les pouces bleus, non, on s'en fout. Pouces rouges à la rigueur, si vous voulez. Voilà. Mettez les pouces rouges sur ces vidéos si vous avez apprécié le jeu, si vous avez tapé les 1 milliard de vidéos où je me suis quand même fait chier. Alors oui, pour l'instant, c'est pas fini, hein, j'ai pas tout uploadé. Mais je me suis quand même fait chier, YouTube. À vous trouver chacun des titres de ces vidéos sur Tomb Raider ont un jeu de mots avec Lara quelque chose. Je me suis fait chier. Pouces bleus là-dessus. Au revoir, YouTube.